Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Salut tout le monde, c'est Chat. Qu'on n'a pas joué à The Binding of Isaac. Tellement longtemps que je vous avoue que je ne sais plus jouer à ce jeu. Et il y a eu tellement de mises à jour, tellement d'updates, tellement de DLC que je me suis dit qu'on pouvait y retourner avec une toute fraîche partie. File number 2. Maintenant il y a des daily challenges qui sont préparés par les développeurs. J'ai toujours pas trouvé le moyen de mettre l'ancienne musique, malheureusement, parce que j'adore l'ancienne musique beaucoup plus que celle-ci. Mais c'est pas grave. On va essayer de se passer des daily challenges pour l'instant, parce que je pense qu'il faut avoir un certain niveau de jeu pour ça. Il faut avoir débloqué certains objets pour que ça soit plus drôle à jouer avec. Que je dis peut-être des conneries, mais c'est pas grave, on va faire New Run. Il y a un nouveau mode aussi, le mode Grid, qu'on va pas essayer tout de suite non plus. Et on va regarder comment on peut débloquer les personnages. Ok, là il faut suffit d'avoir 7 cœurs ou plus. Là il faut 55 pièces. Ah, là on dit pas comment il faut le débloquer. Là il suffit de ne pas prendre de cœurs pendant 2 niveaux. Deux niveaux sans prendre de dommages. Trois deals avec le diable, ça va. Quatre soul heart. Eden, on sait pas. Lilith. Faut battre grid mode avec Azazel. Ok, j'ai même pas Azazel. Je sais même pas où il est. Ah si, il est là. Ok, très bien. Prenons notre pote Isaac. N'est-il pas ? Maintenant, il y a un score et un timer en haut aussi, ce qui est nouveau. Wow. J'ai un drôle de son dans mon casque. Je sais pas si c'est un son pour vous aussi, j'espère pas. Yes. Si on pouvait lui... Si tu pouvais me balancer des bombes sur la pierre noire, là, ça m'arrangerait.
Hello, viens ici, viens voir ici. Ici, là, c'est bien ici. Là, juste là. Hello. Merci, parfait. Oh. Je ne demandais pas mieux. Merci. J'espère que ce buzz dans mon casque ne sera pas retransmis sur la vidéo. Toxic Blood. Je vous préviens, je connais plus aucun effet de quoi que ce soit. Donc je suis vraiment quasiment un joueur tout neuf d'Isaac. Et en revanche, je suis bien content qu'il y ait les objets qui apparaissent sur la droite maintenant. Ça, c'est un bon ajout. Je sais pas comment on passe au-dessus de ces trucs-là. La seule chose vraiment, 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 vraiment qui m'énerve, c'est de pas avoir les anciennes musiques. Je préfère mille fois moins ces musiques que celles qu'il y avait avant. On m'a dit qu'il y avait moyen de mettre les anciennes. Il va falloir que je jette un œil à ça. Pour voir comment je peux faire. Ou alors ce que je pourrais faire tout simplement, c'est lancer la bande son. Ah! Je pourrais lancer la bande son de l'ancien jeu en arrière et couper le son du nouveau jeu. Ah, je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Aïe! Oh non! C'est pas gentil. Go, boss! What? Ah, carrément? C'est un boss de premier niveau, ça? Ah! Oh! Hello! Aïe, 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 aïe. C'est vraiment un boss de premier niveau, celui-là? Pourquoi j'ai l'impression que pas du tout, en fait, moi? Aouh. Gentil, gentil, gentil. En plus, il est super chiant à attraper. Ah! Mais je vais mourir avec un truc pareil. Ça rappelle le bon vieux temps de la chaîne, ça aussi, hein. Ouh, mon dieu. Ah, ah, ah. Oh, 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 ah, ah, oh. À l'époque où on jouait tout le temps à Isaac et qu'on faisait des updates de la chaîne dessus pendant que j'essayais de me concentrer. Oh, ok. J'ai eu envie de revenir à Isaac parce que j'ai vu plein de nouvelles vidéos d'Afterbirth et le jeu a l'air de devenir de plus en plus ridiculement fou. Dans le sens où vous pouvez avoir des combinaisons de dingue. Tout l'écran peut exploser tellement vous avez des buffs de dingue. Je pense que j'ai dit deux fois dingue, mais je ne réfléchis plus à ce stade. C'est un jeu qui vous enlève toute capacité de réflexion intellectuelle, n'est-ce pas? Oh, j'aurais pu lui balancer des bombes à la tronche. Ok, c'est bon à savoir. Ça, je crois que c'est plutôt pas mal. Ok, non, pas vraiment. Est-ce qu'on va ouvrir le magasin? Non. Gardons la clé au cas où la salle des objets suivante est bloquée par une clé. Ce qui est fort probable. Burning Basement, ça c'est nouveau. Oh, il y a une salle des arcades qui peut être intéressante avec l'argent qu'on a. Il faut arrêter maintenant. Aïe 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 aïe. Trop de dégâts pour rien. Infested. Ok. Oh oh oh. Ok, pas de panique, pas de panique, pas de panique. Ici, de toute façon, il n'y a rien à prendre. Ici. Hello. Merci. Ah! J'ai peur de tout maintenant. Déjà que j'avais peur de tout, mais maintenant c'est pire qu'avant. Oh. Ça, c'est une carte que je connais. 2 de diamants, ça multiplie mes pièces. Yes, 24. Cool. Avec ça, il faut vraiment qu'on ouvre une boutique. Et heureusement, on a deux clés. Une pour les objets qui, comme prévu, shoot.
qui, comme prévu, est fermé par une clé. Ça, c'est cool. J'imagine que ça va me donner des dégâts supplémentaires. Yes. Cool. Oh mon dieu. Du calme. Merci. Est-ce que là il y a une pierre spéciale? Non. Oh, ici il n'y a que de la daube. Multiplier les bombes, pourquoi pas. Ah non, les clés. Ah, c'est les clés, pardon. Boum badaboum pour toi. Pas de pièces. Zut alors. Eh ben écoutez, on va garder nos pièces alors. J'ai envie d'aller faire un tour aux arcades quand même. J'ai plus que 2 cœurs, ce qui est pas énorme. Justement, on pourrait espérer récupérer des cœurs dans l'arcade. Oh, j'arrive plus à articuler. Qu'est-ce qu'on fait ici? Yes, parfait. Merci. Exactement ce qu'il me fallait. Oh, cool. Si on pouvait entasser 2-3 cœurs pour les donner à la Blood Bank, ça serait cool. Allez, des petits cœurs. Non. Yes. J'ai l'impression qu'on peut avoir des gélules maintenant aussi. Ok. Ok, une clé, pourquoi pas. Oh, ok, des pièces encore. La donation, là, je crois que c'est fait pour agrandir et améliorer le magasin. Pour qu'il y ait 5 objets au lieu de 3, je crois. Je sais pas combien de pièces il faut donner. Ok, merci. Ce serait bien si on pouvait avoir l'upgrade qu'il y a dans la Blood Bank. Allez. Allez. Ok. Non. Et je laisse une traînée de sang maintenant. C'est à cause de Toxic Blood? Ah, c'est peut-être à cause de ça. Ce qui veut donc dire qu'il faut que je marche un peu partout dans le... oh non! Super, que je marche un peu partout dans les pièces pour faire du mal au monstre. Purée, ça c'est vraiment pourri quoi. Moi qui voulais de la vie en plus, j'en ai en moins maintenant. Ok, c'est bon. Badabadabadap. Allez, pourquoi pas. C'est mort donc. Bah, je sais qu'il y a un demi-cœur dans le coin. Super. Sauf que c'est pas la bonne. Portable Blood Tank. C'est pas du tout la bonne. C'est pas grave. On va détruire ça. Ok. On a des bombes, c'est cool. On va pouvoir récupérer le demi-cœur que j'ai laissé là. Boum! Merci. On a 2 cœurs, ce qui est catastrophique. Hello! Je suis pas sûr que je survive le prochain boss, malheureusement. Peut-être que si je suis bien protégé par la mouche, j'y arriverai. Ok. Pareil pour les règles des salles secrètes, je sais pas du tout comment ça marche. J'aurais envie de dire que il y en a peut-être une ici. Peut-être. Yes. Good. Avec des clés, ce qui est moins good. Si je fais ça, il se passe quoi? Oh mon dieu. Grosse erreur. Ok, c'est bon. Bon, et ben, allons mourir.
pitié pas. Ok, ça va. Oh mon dieu! Pourquoi il y a tant de trucs? Donc Monstro est maintenant passé en boss de niveau 2. C'est bon à savoir. Pourtant, quelque part, je le trouve moins chiant. Peut-être pas moins dur que Little Horn, mais... J'aime bien Monstro. Il est rassurant, j'ai envie de dire. C'est presque devenu un copain au fur et à mesure de toutes ces années. Aïe aïe aïe, il m'a quand même réussi à me toucher, il m'a enlevé un cœur entier. Oh mon dieu, ce qui veut dire que s'il me touche encore une fois, je meurs. Oh mon dieu, ça c'était un stupide dégât. Ok, Monstro Tooth, ça c'est cool. Ça je pense que c'est une upgrade de vie. Yes. Oh, et en plus régénération. Ouh, ça c'est super cool. Est-ce que ça veut dire qu'on peut abuser de la... de mon objet là? En combien de temps tu régénères? Est-ce qu'il faut que je change de salle pour que tu régénères? Est-ce qu'il faut que je gagne une salle pour que tu régénères? Peut-être. Si c'est le cas, ça sera vraiment cool. Si on pouvait avoir d'autres interactions avec des prises de dégâts, ça serait cool. Si on avait eu Eve, par exemple. Pour l'instant, il n'y a rien eu concernant la régénération. Ah, peut-être que c'est juste que ça me donne de la... j'ai peut-être fait une bêtise. Peut-être que ça me rend juste ma vie, en fait. Alors que les autres... Ouais, je pense que ça doit être ça. Alors que les autres objets qui donnent un cœur supplémentaire ne font... ne me régénèrent pas. Ça doit être ça. Maybe. Ah ah ah, hello. Je manque un peu de puissance de feu quand même, hein. Regardez le temps qu'il faut pour tuer ces gars-là. Ça, pourquoi pas. Ici, y a rien. Là, il y a ça, là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Ouh, non, 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 non. Ok, une clé en plus. Oh, t'es quoi toi? Trails of Tears. Ok. J'ai vu pas mal de gens... Ah, c'est encore un truc par terre là. Ah, c'est encore une traînée par terre. J'ai vu pas mal de gens exploser les champignons. Ah bah voilà, une gélule. Tears up, cool. Ça c'est pas mal. C'est plutôt une bonne upgrade. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Ouh, des méchants. Des gros méchants. Ah ah. Non, non, non. Non, pas de dégâts stupides comme ça. Encore. Tears down, super. Magnifique. Pas de panique, pas de panique. J'ai tendance à ultra paniquer maintenant. Ce qui fait que je peux prendre des dégâts stupidement. J'ai pas de pièces. Ah bah tiens, en voilà une. What? Ah bah y'a eu une régène là. Y'a eu une régène. Cool. J'aimerais bien voir la gélule au point où on en est. J'ai pas envie de troquer ma dernière bombe. Allons voir ailleurs si on y est. Je sais qu'il y a un cœur de cœur là-haut. Allons là. Hop. Hey. Demi-cœur. Pouf. Là, il y a des pièces aussi, mais pas assez. Là, il y a quoi? J'ai aucun dégât, quoi. Regardez la difficulté que j'ai à détruire ces pauvres gars. Qui sont hyper simples à tuer d'habitude.
Ouais. Ça c'est désamélioré aussi, on dirait. Ah. J'ai presque envie de larguer une bombe ici. Eh ben non. Inutile. Ouh. Oh yes, j'ai assez de clés pour. Super. Ok. J'ai peur du feu, on sait jamais. Oh yes, j'ai assez de pièces pour m'acheter. Est-ce qu'on achète plutôt... J'ai pas assez pour la Steam Sales. Non, c'est 15$. Ok. Ouh. Oh mon dieu, si seulement on pouvait avoir accès à ça. Oh. Essayons de voir si on achète la gélule. Je crois qu'il y a une gélule maintenant qui peut faire voler. Ah, peut-être que c'est quand je prends une gélule que je régène. Maybe. Essayons la gélule. Bombs are keys. Ok. Ouais, bof. Bof, bof. Est-ce qu'on essaye ici? Est-ce qu'on essaye ici? Bof. Yes! Des bombes, ok. Bon bah. Disons que c'est un run avec beaucoup de bombes. E et E. Ah, je peux lancer qu'une seule bombe à la fois, ok. Si je monte. Il y a des cœurs là-haut, apparemment. Yes! Non. Donc il n'y a pas de régène à chaque fois que je prends une gélule. I found pills. Ah là, il y a un cœur, ok. Non, on s'en fout, allez. Descendons se faire le boss. J'ai quand même gentiment retardé l'inévitable. On a réussi à se faire deux niveaux, trois niveaux. Gurdy. Oh my god. Ok, Gurdy, on se calme, Gurdy. Ok. Ok, oh oh. Ah non. J'ai raté cette fois-ci. Oh my god. Tiens, prends ça, ça te fera du bien. Boum. Ah, shoot. Moi, ça m'arrange. Parfait. Chouette. Maintenant, on va se débarrasser des autres là-haut, là, tranquillement. Sans prendre de dégâts, please. On va te laisser cracher ton truc, là. Vas-y, crash. Crash. Oh mon dieu. Mais ça va super vite, maintenant. Oh, ça a été bien débile, encore, ce que j'ai fait. Un. Oh mon dieu. Tout va bien. Oh, ça c'est quoi? Speed up, size down. Ok. Est-ce qu'on fait un deal avec le... Oh non! Oh non! Je voulais pas ressortir, je voulais éviter les flammes. Shoot! On a encore loupé l'occasion d'avoir un... Un Minions. Zut! Et je voulais pas faire ça non plus, je voulais faire ça. Je suis furieux après ma débilité débile. J'ai perdu l'occasion d'avoir de la force de frappe supplémentaire. Une bombe, ok. Ouh, une grande salle. Avec des monstres pas trop vilains. J'ai eu un effet de régène, maintenant ils sont vilains. Ok, du coup on va essayer de les tuer un par un parce que eux je les aime vraiment pas. Vous pouviez marcher dans mes larmes, ça m'arrangerait. Merci. Marchez dans mes larmes, les mecs. Je vous assure, elles sont super bien, mes larmes. Elles sont rafraîchissantes et tout. Elles donnent un joli teint à la peau. Je crois que les mouches, elles devraient pas être affectées par les larmes vu qu'elles volent.
se calme. On se calme, tout va bien. Est-ce que je fais... Quelque chose me dit que j'aurais pas assez de force de frappe. Si, c'est bon. Ça, ça me sert à rien pour l'instant. Ça, je vais essayer de la détruire. Ok, je sais pas à quoi ça sert. C'est pas grave. Là, il y a quoi? Hello! Ah ah oh, oh 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 oh, on se calme, on se calme. Gentil, 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 gentil. Ah oh ah ah, gentil. Gentil, gentil, les amis, gentil, gentil, gentil. Mon dieu, quelle horreur. Ils ont plein de vie en plus. Ils ont plein de vie. Heureusement que les objets sont pas détruits par les bombes. Mon dieu, mais quelle horreur cette salle. Ok. Est-ce qu'on connaît cette pilule ou pas? Non, on la connaît pas. Est-ce qu'on la prend? Évidemment qu'on la prend. Ok. Vous avez vu que maintenant aussi, il y a les... Les pilules sont commentées à chaque fois qu'on en trouve une. Ok, c'est une grande salle, ce qui est parfait. Pour ces gars-là, c'est super. Et j'ai l'impression qu'on m'a traîné de sang... Est-ce que c'est moi ou est-ce qu'on la voit que quand je suis pas à full full health, quand ma vie n'est pas complètement pleine? Peut-être. Récupérons le demi-cœur qui est là. Hop. J'aimerais bien avoir un objet qui utilise des batteries, mais malheureusement il n'y en a pas pour l'instant. On a. Bon, vous êtes coincé de toute façon, ça m'arrange. Oh yes, merci. Ça c'est parfait, j'ai envie de dire, en revanche. Ok, les pièces, ça c'est cool aussi. Ça se passe pas si mal finalement. Ne jamais dire ça, ça peut porter malheur. Ok, 22 pièces. Est-ce que j'ai envie de faire ça? À chaque fois je risque ça, généralement ça sert à rien. Et là ça sert encore à rien. À part à risquer des dégâts supplémentaires. Ok. Oh non. 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 Oh yes, il y a la salle des objets. Cool. Peut-être que la crotte multicolore, c'est de la crotte qui me donne de la chance. Ouh, ça je crois que c'est très bien, non? Eye in the back of your head. Oh, ah non, c'est pas si bien que ça, mais c'est pas mal. Ok. Oh, c'est quoi ça? Oh, quelle horreur. C'est quoi ces trucs? Ah, oh, mon dieu, c'est dégueulasse. Oula, ça c'est très mauvais aussi. Je crois que ça, ça balance des araignées une fois que ça meurt. Si ça pouvait être des bombes, ça m'arrangerait, mais je ne crois pas, malheureusement. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé un truc dans la salle. Tout est devenu noir et tout. Et elles ont eu un... On dirait qu'elles ont eu un debuff subitement. Ah, c'est peut-être à cause des crottes noires au milieu, là. Oh, ça doit être ça. Hey. On dirait que c'est des crottes qui font des dégâts. Ça, c'est nouveau. J'ai jamais vu non plus. C'est pas ce que je voulais faire. Quoi? Pourquoi j'ai pris des dégâts? Ok. J'ai envie de dire que malheureusement je n'ai plus de clé pour rentrer dans le magasin. Ce qui est fort embêtant. Ça c'est pas cool. Hello. Hi. Heureusement qu'il marche dans mes traînées de larmes. Yes, une clé, parfait. Une clé et j'ai envie de dire même une bombe, allez, soyons fous. Raté, ok. Donnez-moi des objets de malade, please. Oh non! Pas Grid! Je vais mourir face à Grid en plus. Sauf si quand il m'attaque, il m'enlève des pièces au lieu de m'enlever des cœurs. Ce qui serait cool! Mais j'ai des doutes. Si tu pouvais viser un peu mieux que ça, Shaiman, ça serait cool! J'en mets pas une dedans, quoi. C'est dingue. Merci la mouche.
Oh yes, plein de pièces. Ils vont me servir strictement à rien. J'aurais presque envie d'exploser un des pendules, hein, mais j'ai pas assez de bombes pour ça. Non, non, pas toi. Ok. Rien, super. Yes, un peu de régène, ça c'est génial. Il y a la salle secrète là que j'ai trouvée sans faire exprès apparemment. Bah oui, oui, c'est vrai. Ça c'est une petite salle, ce qui est très dangereux. Et si elle pouvait me donner des trucs? Non, que dalle, super. Là-bas, il y a d'autres salles. Ça, ça devrait aller aussi, je pense. Toi, tu viens là. Merci. Toi, pareil. Allez, 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 allez. Depuis le début, j'ai eu aucun HP up, j'ai eu quasiment aucun attaque up non plus. Je peux pas l'avoir en plein écran la salle. Il y a une salle là-bas, mais je pense qu'elle va rien m'apporter, donc allons-y. Tant pis, fonçons se taper le boss. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Peut-être qu'on va survivre? Oh, Chubb, c'est mal barré. Sauf si je lui fais avaler une bombe. Est-ce que je sacrifie une de mes bombes? Allez, soyons fous, tant pis. Je suis assez rapide pour l'éviter, ce qui est bien. Chubb en boss de 3ème niveau, c'est quand même un peu abusé, je trouve. Un peu trop simple. Il suffit juste d'avoir une upgrade de vitesse et puis il n'y a aucun risque, quasiment. Tous les cœurs qu'il a balancés, mon dieu. Sauf si il se met à cracher des baby chubs. Mais ce qu'il a pas fait cette fois-ci. Little chubby. Ok. J'aurais bien aimé avoir avec un deal avec le diable, ça aurait été cool, vous savez. En revanche, ce que je peux faire maintenant, c'est... Si seulement je pouvais avoir un sort... Enfin, un objet qui soit dépendant de ma quantité de pièces. Ça serait cool. Voilà. Maintenant on est full health. 47 pièces. All stats up. Ça c'est cool. Magnifique. Descendons. Oh, c'est quoi ça? Je connais pas ça. Dank Depth. Je connais pas cet endroit. Je vais pas aller dans la salle d'en bas. Il n'en est pas question. Ça c'est quoi? Pourquoi vous êtes noirs les mecs? Ah, c'est juste pour ça. Ok. Ça me va. Ah, j'ai les larmes qui sont plus grosses même. Ok, chouette. Si on pouvait rapidement trouver la salle des objets, la salle des... Ow ! La salle des objets et la salle... le magasin, ça serait cool. Mais je pense qu'à cet étage, je dois plus en avoir. Malheureusement. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ok. Oh mon dieu, tout va bien, tout va bien, il suffit de faire ça. Tout simplement, pas de panique. Allez, parfait, c'est bon. J'ai perdu un peu de vie, mais pas trop non plus. Ça non. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Est-ce que c'est juste dans le cas où t'as envie de perdre des points de vie pour activer tes... Oh mon dieu, ok, super. Encore une nouvelle style de monstre que je ne connaissais pas. Magnifique. Oh yes. Y a aucun risque ici? On dirait pas. En plus j'ai eu un régène, cool. J'ai qu'une seule bombe donc non.
Non, on va pas faire ça, ça sert à rien. Ah, j'ai pas de clé. Oh. J'essaie de réfléchir comment je pourrais avoir une clé ici, dans cette configuration-là. Allons voir à côté d'abord. Ok, encore des salles inoffensives, c'est cool. Ah, pardon. Ah, j'ai pas de clé pour ça non plus. Et lui, il veut des clés en plus. Bah voyons. Oula, c'est quoi ça? Je te connais pas, moi! Oh mon dieu, il va super vite, ce machin. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Yes, parfait. Est-ce qu'on prend plutôt cette... Faisons ça. Oh mon dieu, mais que de la daube, quoi. Daubesque. Est-ce qu'on prend tes rockers juste pour le fun? Strength. Eh bah, pourquoi pas? Strength. Cool. Oh, c'est un HP up! Oh, cool! Finalement, je suis content de l'avoir pris. Il me faut une deuxième clé, s'il vous plaît, pour aller chercher l'objet, je vous en supplie. Ok. Là, il suffit de faire ça, c'est bon. Une pièce, cool. Ah, oh, ça, je sens que ça va pas être bien non plus. Ah, c'est un mec qui copie mes gestes? Non? Ok. Une clé, les amis, une clé, ça serait vraiment super chouette. Une clé, une clé, une clé, une clé, une clé, une clé, une clé. Yes! Parfait. Allons chercher l'objet now. Boude pas, toi, là-haut. Ta petite tête mignonne. Régène, je vais pas dire non. On est à fou. Ah zut! C'était juste pour une salle, la carte du Terrocar. Ça c'est Ouija Board, je crois. Je sais même plus ce que ça fait, mais je crois que c'est... Première version d'Isaac. Spectral Tears. Oh, j'aime pas ça. C'est les larmes qui passent à travers les murs. Mais je trouve pas qu'elles soient terribles, ces larmes-là. Pourquoi j'ai une sale tronche? C'est à cause de la Ouija Board que j'ai une sale tronche? Est-ce que je te rentre dedans, toi? Allez. Oh. Shoot. Amnésia. Zut. C'est pas grave. Rien de très dramatique. Ok. Là, c'est bon. Ça, je crois que c'est pas terrible comme feu. T'es qui, toi? T'es nouveau aussi? Ah, vous balancez des crottes dorées, j'ai l'impression. Ah mon dieu! Fonce dedans, c'est super bonne idée! J'ai pas de clé pour ouvrir les trucs, malheureusement. C'est dommage parce que une clé pour avoir un cœur spectral, ça serait cool! Gentil, 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 gentil. Là je peux pas, là je peux pas. Et là je peux. C'est juste des flammes qui se détruisent pas, on dirait. Ok. Bon bah, ciao les mecs. Hello. Ah! Shoot. Ah! Non. Non. Pas de clé. Est-ce qu'on... J'ai envie d'aller déposer ma thune dans... Dans la donation machin là. Allons faire ça. Parce que j'ai tellement peur de mourir à ce niveau que... Ouais, faisons ça, tant pis. De toutes les manières, je pense que j'aurai plus d'occasion vraiment d'utiliser les pièces au stade où on en est, donc allons-y. Tiens, prends toutes mes pièces. Et il va pas me laisser. Je crois qu'il bug à un moment donné. C'est peut-être à 19 qui bug d'ailleurs. Oh, blue map, ok, cool. Au moins on a débloqué un objet, ce qui est cool. Vu qu'on est dans une partie toute fraîche. Et voilà, c'est exactement ce que je pensais. Est-ce qu'on prend la boussole? De toute manière, on peut rien faire d'autre. Alors prenons la boussole, soyons fous. Ah, mais ça sert à rien, chouette.
pensais que comme dans Zelda, ça m'indiquerait par une flèche au moins les objets. Tant pis. Pas les objets, mais les salles en particulier. Brownie, ça va être compliqué, je pense, parce qu'il est vraiment très chiant. De ce que j'en ai vu. En tout cas, pour un mec comme moi qui stresse pour un rien. Il est particulièrement stressant pour moi. Dès l'instant où il y a plein de trucs qui arrivent à l'écran, dès l'instant où il y a des trucs par terre, qu'il y a des mobs partout, qu'il y a des projectiles partout, je stresse comme pas possible. Ok, il est devenu toxique tout d'un coup. Oh, ok, ça va. Oh, quelle horreur. Reste là, t'es très bien là où t'es. Oh, magnifique. C'est quoi ça? Ça, c'est HP up aussi, non? One up? Don't swallow the prize. Crackjax. Calls out to its brothers. Oh! Est-ce que c'est un truc du genre ça attire les cœurs? Je sais pas. Ok. On en arrive quand même à Mom? Oh, Curse of the Unknown. Ok. Alors. Ça, c'est l'arcade. Là-bas, il y a la salle des objets, mais j'ai pas de clé, donc de toute façon, ça sert à rien. Peut-être qu'il faut aller dans les arcades, alors. Ah, c'est juste que je connais pas ma vie, ok, d'accord. Curse of the Unknown. Ce qui est quand même pas terrible pour moi, non plus. Ah, yes, une clé, parfait. On va se garder les arcades pour plus tard, alors. Ok. J'ai pas de bombe, j'essaie de réfléchir comment je pourrais aller dans cette pièce tranquillement. Une carte et une gélule. Ou alors une clé et une pièce. Une clé et une pièce. Si de toute façon ça revient au même. Ok, ça ça va. Ah c'est bon, il y a la salle à objets. Si on peut avoir un bon objet, ça serait cool. Allez, marchez dessus, c'est très bien. Ça m'arrange que vous marchiez sur mes traces. Merci, merci. Ouh, une clé supplémentaire. Dans ce cas-là, on peut faire ça. Merci, merci. Hop. Merci. Ça, faut que je le garde, je pense. Ça, essayons pour voir. Je réfléchis à chaque fois quelle est la touche. Oh mon dieu. Magnifique. Pourquoi je suis là? Zut. Téléportation aléatoire, on dirait. J'ai pas compris le mess... Ah non, c'était la pills qui m'a fait ça, ok. Je croyais que c'était la carte qui m'avait fait ça. Oh bah, une clé en plus, pourquoi pas. Ah, là où il y a la salle des objets en plus. Ça je sais ce que c'est. Je l'ai déjà vu. Faut que je m'arrête un peu d'abord. Ouh, là voilà. Aïe aïe aïe, ok. Je pensais pas qu'il ferait des dégâts comme ça en revanche. Ok, encore. Chouette. Ah non! C'était là la salle des objets. Crétin! C'est pas grave, pas de panique, tout va bien. Ouh mon dieu, ok, c'est... Donc c'était la tentative... C'était la journée avec les vers, celle-là. Je crois que j'ai eu quasiment tous les boss vers de terre, entre guillemets. Il me faut deux pièces de plus pour avoir ce truc-là que je ne connais pas. Peut-être que c'est un truc qui ralentit les monstres. Maybe. Oh, cela dit, je pourrais troquer ma vie. Je pourrais troquer ma vie en échange de pièces. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. En plus, j'ai l'impression qu'il y a un cœur en bas, là. Est-ce qu'on fait ça? Allez, soyons fous, faisons ça. J'ai toujours été plutôt dans un but de collection, moi, que dans un but de finir le jeu, donc... Hop. Encore une fois. Toc. Merci. Prenons ça. I think it's broken.
C'est inutile, genre? Me dites pas que c'est un objet inutilisable. On verra. Allons voir la carte du Terrocar. Pas de panique, pas de panique. Mais si, panique, panique, bah voyons. Fonce pas dans les larmes, je t'en supplie, quoi. Pourquoi pas? Ça, c'est ma carte du Terrocar qu'il faut que je garde. J'ai ouvert finalement ça? Non, yes. Un objet en plus. Pourquoi pas? Ça, c'est quelqu'un qui va me suivre, je crois. She loves you. Ouais. Et si on allait chercher le cœur qu'il y a là? Ah non. Ah si, il est là. Parfait. Il y a la salle des arcades, toujours. Il y a la salle du boss aussi. Ça serait quand même pas mal d'avoir la... Parce que là, si on réfléchit, qu'est-ce que je peux avoir comme objet, là? À ce stade. Purée, il y a tellement de coffres, là, en revanche. Je pense qu'on n'aura plus rien d'intéressant à cet étage, si ce n'est... Si on essaye d'avoir... HP up dans l'arcade et éventuellement une clé pour ouvrir les coffres. Non, pas une clé, une bombe. Les coffres dorés qu'il y avait là-haut. Ça, c'est pas une salle pour moi. Ok, tout va bien. Ouh. Alors, allons aux arcades, ok. Mince, j'ai dépassé l'arcade. Elle est là. Sauf que j'ai qu'une pièce pour entrer à l'arcade. J'avais l'impression qu'on pouvait doubler l'efficacité de... Si je prends des dégâts et que je prends la Blood Bank, est-ce que ça néglige un dégât? Non, pas vraiment. Ok, bon, j'ai fait ça pour rien. Si, peut-être. En fait, je sais rien. Un cœur, ça c'est parfait. Il me faut une bombe, please. Pourquoi pas? Moi, je suis pas contre. Ah zut, j'ai plus de pièces. Essayons... Un cœur de dégâts. Un cœur et demi de dégâts. Ah. Toi, tu me donnes des cœurs, please. Oups. Ok, c'est pas grave. Ok. Please. Ah. Ok, bon, bah, je nous ai peut-être mis dans la mouise. Parce que je pense que j'ai plus beaucoup de cœur. Mais cela dit, j'ai The Empress. The Empress, faut que j'appuie sur A pour l'utiliser. Faut que je m'en souvienne parce que j'ai tendance à oublier les touches. Il n'y avait plus rien dans la salle en bas. Non, c'était juste une clé. Oh mon dieu! Ah, c'est ça, Broken Watch. Je pense que là, on assiste à l'effet de Broken Watch. Oh mon dieu, il balance des araignées. Mon dieu, quelle horreur. Ok, parfait. Un cœur, ça c'est génial. What? Non, pourquoi encore des boss là? Il y a trop de boss dans cette partie. Je vous rappelle que c'est ma première partie dans le jeu. Soyez pas trop méchants, s'il vous plaît. Ouh, bah voyons. Purée, je fonce dedans comme un débile. Je t'en supplie, calme-toi. Arrête les débilités. Donne-moi un cœur, par pitié. Cœur, 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 cœur. Non. Bon, bah, on est mort, hein. Je vous dis ça comme ça. Oh my god, ok. J'ai loupé l'occasion de me faire mum avec The Empress. Oh non. Ah, c'est bon. Je peux peut-être battre mum. Peut-être que je peux battre mum. Peut-être, peut-être. Je sais pas quelle est ma vie, malheureusement. Oh, surtout si je reste planté là comme un imbécile.
Oui, maman. Ne reste pas planté là, please. Bouge, bouge, bouge tout le temps, bouge tout le temps. Pourquoi elle vient pas aller là? C'est bon, elle est partie déjà, zut. Ok. Oui, maman. J'ai très peur, maman, je peux pas te parler pour l'instant. Elle est là. Mon dieu. Ce qui est cool, c'est qu'elle prend des dégâts là où elle pose son pied, vu que j'ai marché dessus. Oh, cool, un régène, ça c'est génial. Vous pouvez pas espérer mieux. Les mobs, pareil, ils se prennent des dégâts quand ils se posent. Oh non! On était tellement proche du but. Oh, par pitié, pas de haine concernant ma perte de vie. Je sais que j'ai perdu de la vie de façon débile tout au long de cette partie. C'est juste par panique en fait. J'ai tellement peur. Et le Isaac se déplace tellement facilement, il glisse presque. Dès que je fais un geste, je panique à l'idée de me prendre soit une bombe, soit de me prendre une larme, soit de me prendre un mob qui me fonce dedans. Donc j'ai ce défaut malheureusement quand je joue à Isaac. Et du coup ça nous a coûté la victoire de peu. Regardez sa vie en bas, mom. On était vraiment proche du but. Désolé, ça sera pas pour cette fois-ci. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de One Up. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, abonnez-vous, partagez la vidéo, donnez des conseils constructifs. Je sais que j'ai pris plein de dégâts, pas besoin de me le répéter. Et à part ça, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Ah oui, et dites-moi si vous voulez voir plus de vidéos de Afterbirth. Bye bye.